Nous allons nous mettre debout. Togote le malikolo. Le frère Fiston va nous lire Genèse chapitre 21. Deko Fiston, tant que nous sommes pour la bande du Mokapona, pour nous balayer la moto. Le verset 10. Pendant mon amour est Zomi. Le verset 11. Zomi la moto. Et le verset 12. Et Zomi la moto. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ, Genèse chapitre 21, versets 10, 11 et 12. Et dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne te déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car cet Isaac te sortira une postérité qui te sera propre. Et le Seigneur bénisse ta lecture des Écritures. Nous allons nous asseoir. Mais beaucoup plus l'explication de l'Écriture. D'abord, nous vous remercions d'être venus. Et nous voulons saisir l'occasion, bien que les frères Christons l'avaient déjà fait. Et remercier tous les bien-aimés qui ont contribué d'une manière ou d'une autre. Pour que nous puissions en arriver là où nous sommes aujourd'hui. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier les frères Guy. Le frère Rama aussi. Ils ont travaillé pendant deux semaines pour que la salle de gain s'est devenue. Ils ont même quitté leur travail. Ils venaient ici jusqu'à 23h pour travailler. Nous remercions le pasteur Azaf. Il était ici avec sa femme toute la nuit. Ensemble avec mon bien-aimé John. Sa femme et les frères Neftali. On n'a pas encore fini. Parce qu'il faut que nous changions également ces plafonds. Et il faut que nous ajoutions des lumières. Et nous croyons que le Seigneur nous aidera là-dessus. Je crois que l'œuvre de Dieu ne peut pas être le travail d'un seul homme. C'est toujours une association de personnes pour faire l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi nous vous sommes infiniment reconnaissants. C'est avec beaucoup d'humilité et beaucoup de tremblement que je me tiens devant vous. Parce que vous avez été racheté par un prix inestimable. Il y a des gens qui nous suivent en ligne également. Ils nous ont envoyé de l'argent pour que nous en arrivions là. Nous leur présentons toute notre reconnaissance. La chose étant dit que nous fermons la parenthèse, maintenant nous entamons la parole. Parce que jusque là nous n'avions pas encore commencé de prêcher. Donc je prêcherai tout le mois de septembre, je suis avec vous. J'ai négocié avec le pasteur Azap pour qu'il me donne ces deux semaines. Comme ça, j'ai quatre semaines pour finir ce que je vais dire. Donc, si tu as le temps, revenez encore dimanche prochain et après dimanche prochain. Parce que nous croyons que l'Éternel est vivant. Et qui garde ses enfants. Avant de pouvoir interpréter l'écriture, on doit d'abord examiner l'agneau. Parce que Dieu avait dit à Israël, avant de manger l'agneau, il faut d'abord l'examiner. Donc on va d'abord examiner l'agneau ensemble. Ensuite, nous allons les couper et nous allons manger. La Bible dit qu'un jour, Dieu est apparu à Abraham sur les chaînes de Mamré. Pendant que Dieu mangeait, il s'est dit en lui-même, cacherai-je quelque chose à Abraham? Parce qu'Abraham deviendra grand. Alors Dieu dit à Abraham, l'an prochain, à la même époque,
Moi, l'Éternel, je reviendrai. Et Sarah, ta femme, aura un fils. Mais quand vous lisez votre Bible, Jésus, Dieu n'est pas revenu l'an prochain. Est-ce que vous me suivez? Faites attention. Mais Dieu avait dit à Abraham, l'an prochain, moi l'Éternel, je reviendrai. Et Sarah, ta femme aura un fils. Nous savons que tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel est vrai. Donc quand Dieu dit l'an prochain, c'est l'an prochain. Mais Sarah n'est pas tombée enceinte 12 mois après. Non. Donc nous comprenons que Dieu a un langage quand il dit l'an prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Vous verrez la différence de l'évangile éternel. Maintenant, tellement que ça traînait, Sarah n'est tombée pas enceinte. Sarah va prendre sa servante Agar. Il dit, je vais te donner à Abraham pour que tu tombes enceinte, que tu me donnes un fils. Parce que Dieu avait promis, mais ça ne s'est jamais réalisé. Que Dieu vous bénisse. Alors Agar va tomber enceinte. Il va avoir un fils du nom d'Ismaël. La Bible dit que lorsque Ismaël aura atteint 13 ans, on va cesser de l'allaiter. Donc Ismaël a allaité jusqu'à 12 ans. Ismaël a appelé ma belle. Donc vous voyez un petit garçon de 12 ans en train de têter les saints. C'est ici que nous disons que quand tu n'as pas l'interprétation de l'écriture, tu risques de prendre ton fils et l'allaiter jusqu'à 12 ans. Alors regardez, la Bible dit ceci. Parce que je ne vous prends pas beaucoup de temps. Dès que Agar a trouvé qu'il avait aussi un fils, alors elle commençait à croire qu'elle est quelque chose. Et Dieu va venir visiter Sarah. Sarah aussi aura un fils. Que Dieu vous bénisse. Il y aura deux fils dans la maison d'Abraham. Parce que notre thème principal, c'est Ismaël et Isaac. Dans le corps d'Adam. Donc, dans la maison d'Abraham, nous avions eu deux enfants. Et la Bible dit ceci. Agar, qui était servante, a commencé à être à manifester la rivalité vis-à-vis de ça. Alors Sarah est devenue jalouse. La jalousie n'est pas une mauvaise chose. Quand tu aimes ton mari, il faut être jaloux. Ce n'est pas un péché. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Il ne faut pas dire non, maman, arrête. Toi aussi, tu as exagéré. Non, quand on aime, on est jaloux. C'est pourquoi l'écriture dit, Dieu est jaloux de nous. Parce qu'il nous aime. Donc en fait, la jalousie, c'est le signe de l'amour. Je mets la balustrade. Je ne parle pas de toute jalousie. Hein. Je parle de la jalousie d'amour. Alors Sarah va venir voir Abraham. Il dit à Abraham, je veux que tu chasses cette femme avec son nom. Je me disais ce matin, quand tu es serviteur, il faut de temps en temps aussi écouter la voix de ta femme. Parce que la Bible dit, Dieu l'a placé aussi pour t'aider. C'est une aide pour toi. Quand elle parle, il faut des fois prêter l'oreille et essayer d'écouter. Et comme tu as le Saint-Esprit, tu vas discerner. Beaucoup de gens n'ont pas tendance à ne pas écouter les femmes. Ils finissent par mettre la main sur la tête et pleurer. Regardez bien dans le Seigneur. Abraham a voulu refuser. Alors l'Éternel lui est apparu la nuit. Il dit, écoute la voix de Sarah. Donc Sarah avait une voix.
Et Abraham devait écouter cette voix. Il dit, chasse Agar et son enfant. Regardez, frère. La rivalité a commencé entre Sarah et Agar. On pouvait croire que c'est seulement la rivalité. C'est pendant cette rivalité-là, Dieu avait caché un mystère. Parce que c'est maintenant Dieu qui va donner l'explication de cette rivalité. Il dit ceci à Abraham. Pourquoi tu chasseras Agar avec son fils? Parce que Isaac, le fils de la promesse, ne peut pas hériter avec le fils de l'esclave. Ici, c'était une question de l'héritage. Est-ce que vous me suivez? Donc cette rivalité-là, c'était à propos de l'héritage. Parce que Dieu avait vu que la manière dont Agar est en train de venir, il risquerait de mettre la main sur l'héritage, alors que la promesse est pour Isaac. Écoutez bien, mesdames et messieurs, nous pouvons être beaucoup dans le monde, nous n'avons pas tous le même héritage. Tous ceux qui prêchent ne sont pas serviteurs. Tous ceux qui enseignent ne sont pas des enseignants. Tout pasteur n'est pas pasteur. Ismaël était dans la maison d'Abraham. Fils d'Abraham. Isaac aussi était dans la maison d'Abraham. Fils d'Abraham. Mais quand Dieu regardait, pour Dieu, c'est Isaac qui est le fils de la promesse. Écoutez. Quand Dieu demande Isaac, écoutez ce que la Bible dit. Dieu dit, Abraham, tu m'offriras ton fils, ton unique. Mais c'est pendant qu'ils étaient deux. Abraham n'avait pas seulement ses fils. Il avait Isaac et Ismaël. Mais quand Dieu lui regarde, il ne voit pas Ismaël. Il y a des gens dans ce monde ici, frère. Dieu ne les regarde même pas. Ça ne l'intéresse pas. Ils peuvent crier, chanter. Aux yeux des hommes, on a l'impression qu'ils existent. Mais quand Dieu regarde, chaque chose, il ne voit pas ce monde-là. Le Dieu que nous prions, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Quand il s'agit des miracles, là tu dis, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Là tu cries Amen. Mais il n'est pas seulement le même pour les miracles. Il est aussi le même dans ce qu'il fait. Quand Dieu voulut sauver Israël, il a détruit le pays d'Égypte. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Quand il a voulu sauver l'autre à Sodome et Gomorrhe, il détruit tout le pays de Sodome. Il y récupère son enfant. Je voudrais dire à quelqu'un cet après-midi, au milieu de ce monde turbulent, l'Éternel a les regards sur toi. L'Éternel a les regards sur ta vie. Il ne s'occupe pas de tout le monde. C'est pourquoi dans le salut, on ne regarde ni à gauche, ni à droite. J'aime ces choses. La Bible dit qu'un jour, Israël voulait traverser un pays. Ils vont appeler le roi du pays. Il dit, écoute, roi, Dieu nous a dit de traverser ici. Quand Dieu te dit ici, même quand il y a un mur, tu passeras. Ils ont dit au roi, ce que nous voulons te dire, laissez-nous passer. Nous ne mangerons ni ta nourriture, et nous ne boirons ni l'eau de ton pays. Le véritable enfant de Dieu, quand il passe dans le monde, il ne mange ni la nourriture du monde, il ne boit ni l'eau de ce monde. Parce qu'il sait qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses que nous ne mangeons. Que Dieu vous bénisse. Supportez ma folie. Dans le pays de Dieu, nous ne voyons pas des femmes à demi-nu. Ça, c'est la nourriture du monde. Dans le pays, nous ne voyons pas de femmes prostituées. Ça, c'est la nourriture du pays. Quand on est enfant de Dieu, on passe. Parce qu'on est pèlerin sur la terre. Regardez, frère. Observez ces choses. Donc, ces deux enfants sont nés dans la
Mais Dieu veut dire le problème ici, c'est l'héritage. Donc la séparation d'Isaac avec Ismaël, c'était pour permettre à Isaac d'hériter. Est-ce que vous me suivez? Je vais répéter calmement. Parce que je vais monter. C'est Dieu qui dit, il faut que vous vous sépariez pour que les fils héritent. Si vous êtes ensemble, les fils ne peuvent pas hériter. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc pour hériter, je crois ça. Il faut que Ismaël se sépare d'Isaac. Or, il y a une écriture qui dit. Parce que quand nous prêchons, nous prêchons écriture sur écriture. Nous ne prêchons pas parce qu'un pasteur avait dit. Non, un pasteur avait pas. Non, non, la Bible dit que tout le monde soit jugé menteur. Seul Dieu soit vrai. Donc quand nous voulons appuyer ce que nous disons, nous prenons les écritures. Alors j'appelle une écriture. La Bible dit ceci. La chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume. Est-ce que vous me suivez? N'oubliez pas que nous sommes dans la maison d'Abraham. Ismaël et Isaac. Le problème c'est que Isaac doit hériter. Mais pour hériter, il doit se séparer d'Israël. Maintenant, l'écriture nous dit, un homme charnel comme ça ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Donc pour hériter le royaume, il faut que cette chair ici puisse mourir. Donc nous comprenons que Ismaël dans la maison d'Abraham, il représentait la chair. Ismaël, c'est pourquoi elle est née d'une esclave. Je reviendrai sur ces choses dimanche prochain. Donc, quand Dieu dit séparer Ismaël avec Isaac, Dieu avait compris que Ismaël c'est la chair. Isaac c'est l'esprit. Parce que la Bible dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je vais aller maintenant doucement. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est pourquoi je vous avais dit une fois ici. Les gens qui font des messes de requiem, ou les gens qui font 40 jours après la mort de mon père, je vous invite pour que nous allions prier. Nous allons prendre un bain de consolation. Il y en a d'autres qui vont dans les cimetières. Où est le fils premier-né? Viens ici, viens parler. Papa, maman, mami, comme tu es parti. Like quand quelqu'un n'a pas l'enseignement, c'est dangereux. La Bible dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Quand l'esprit se retire de l'homme, ce que vous voyez là, ce n'est pas lui. Donc, c'est rien, c'est absolument rien. Dieu ne change pas, frère. Quand il crée Adam, il commence par rassembler la poussière. Mais cette poussière de la terre n'avait pas la vie. Pour que la poussière ait la vie, il a fallu que Dieu sorte. Donc, est-ce que vous me suivez? Donc, l'esprit dans un corps. Donc, nous comprenons que le corps d'Adam, c'est Ismaël. L'esprit d'Adam, c'est Isaac. Est-ce que vous me suivez? Vous voyez toute la Bible. C'est seulement la vie d'abandonner les péchés. Les Genèse en Apocalypse. Dieu ne parle pas d'autre chose. Pas autre chose, frère. Nous ne nous tenons pas devant vous pour vous parler des maisons, des voitures, des mariages. Nous vous annonçons le mystère du royaume des cieux. Et moi, je crois, quand tu as Christ en toi, ces choses doivent venir. On ne le force pas. Non, tu pousses. Que je mette un peu du bois pour que ça saute. Quand quelqu'un n'a pas laissé des signes, il n'en a pas. Même si vous le forcez, il ne recevra pas. Parce que c'est Dieu qui baptise le Saint-Esprit. Pour que Dieu te donne le Saint-Esprit, il faut d'abord que Dieu te donne un corps et que Dieu souffle la
l'intérieur de Dieu. Regardez maintenant, frère. Donc Adam, c'était le corps et l'esprit. Donc Adam était double. Mais le véritable Adam, c'est l'esprit qui était dans ce corps. J'aime Paul, le frère Paul, notre collègue dans les services. Paul dit ceci. Le premier Adam est terrestre. Le deuxième est céleste. C'est-à-dire que ceux qui étaient dans le premier Adam, on doit les voir dans le deuxième Adam. Un jour, Jésus sort des eaux de baptême. Pendant qu'ils sont, est-ce que vous me suivez? C'est le rassemblement du corps d'Adam. Parce que la Bible dit, j'aime ça. Quand Jésus sort des eaux, le ciel s'ouvre. Le Saint-Esprit souffre, comme dit Nicolas. Va venir entrer là. Donc Dieu répète ce qu'il avait fait avec Adam. Donc Adam, c'était un corps. Mais Dieu en souffla. C'est l'esprit qui rentre. Le véritable Adam arrive. Il sort des eaux. Maintenant, pour confirmer les jardins, le Saint-Esprit descend. Et Christ se met à marcher. Écoutez. Pendant que Jésus marchait, nous sommes dans la maison d'Abraham. C'est Ismaël et Isaac. Tu penses que ce qu'il avait là, c'est le corps. Mais dans l'intérieur, c'était Dieu lui-même. C'est pourquoi il disait aux gens, qui m'a vu, a vu le Père. Les gens se posent la question, mais non, nous nous voyons un corps. Mais le Père était à l'intérieur de ce corps. Maintenant, regardez, le jour où Jésus monte sur la croix, l'Écriture dit, il y a des ténèbres sur toute la surface de la terre pendant 3 jours. Et à la fin de cela, Jésus cria, Père, entre tes mains, je remets mon fils. Est-ce que vous me suivez? Ismaël qui se sépare d'Isaac. Donc quand Christ était en train de crier sur la croix, que entre tes mains, je remets mon fils. C'est-à-dire que cette colombe qui était entrée en lui, venait de retourner au ciel. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, je descends pour t'exhorter. Parce que le problème de l'homme, frère, c'est sa chair. Le problème de l'homme, c'est sa chair. La difficulté de l'homme. Tout ce que l'homme fait, c'est toujours caché. Quand il veut s'habiller, il s'habille pour que les autres voient. C'est toujours caché. Quand on le touche un peu, il explique. C'est toujours caché. Voyez Ismaël. Tout ce qui est charnel attire l'homme. Regardez vous-même. Quelqu'un peut être en difficulté avec son frère pour le foufou. Il dit, je n'irai pas dans la maison de ma femme. Parce que quand j'arrive là-bas, il me donne un petit foufou comme ça. Il donne beaucoup de foufou à ses enfants. Tout ça pour sa chair. Quand quelqu'un vole, tout ça pour sa chair. Donc en fait, l'ennemi de l'homme, ce n'est pas d'abord le diable. Le diable, lui, il est en paix. Il cause même avec Dieu. Dieu lui pose la question. As-tu vu mon serviteur? Donc Dieu et le diable, il cause. Mais le problème de l'homme, c'est sa chair. C'est pourquoi le diable savait. Il dit à Dieu, donne-moi seulement l'occasion de toucher à tout ce qui est sa chair. Avez-vous remarqué? Quand le diable a demandé, c'était Job. Il a demandé, je vais prendre ses biens, ses enfants, ses brebis. Oh, toutes ces choses étaient liées à la chair. Parce que Dieu avait dit à Satan, mais son esprit, ça, tu ne touches pas. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi le jour où l'homme a péché, Dieu dit au serpent, désormais, tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Je t'informe que le serpent naturel ne mange pas la poussière.
Le serpent naturel ne mange pas la poussière. C'est que Dieu disait au serpent. Puisque l'homme est charné, puisqu'il est poussière, l'endroit où tu peux l'attaquer, que tu peux manger, c'est sa chair. L'homme est capable de tout vendre pour la chair. Pour sa santé. Il est capable de donner des millions. Mais il ne peut pas donner les millions pour l'œuvre de Dieu. Vous voyez? Donc l'homme pour la chair, il peut tout donner. Mais Dieu dit, pour que Isaac hérite, il doit se séparer de sa chair. Si tu aimes trop ta personne, je t'informe que tu es très loin du royaume. Il y a des hommes qui s'aiment beaucoup. Il s'aime plus que sa femme. Donc lui toujours lui. Les vestes c'est lui. Le costume c'est lui. La femme c'est un préco. Quand tu t'aimes beaucoup comme ça, c'est la chair. Je vais finir. Bon. Le Dieu que nous prêchons, il répète. Dieu dit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Les tantôt de Dieu ici, hein, ce sont les Écritures. Regardez. Dieu va créer la femme. Je veux que tu me suives. Parce que la femme, c'est aussi Ismaël. Oui, mais moi, tu peux être Ismaël. Ne regarde pas les femmes dans l'église. Comment on n'était pas si l'église? Parce que tu risques de sortir avec ta femme. Et toi, Ismaël. Je dois me séparer de toi. Parce que tu es une prédication chez les Olaïs. Ça ne se prêche pas dans la Bible. Dieu crée la femme. La Bible dit tu vas amener la femme vers l'homme. Quand l'homme regarde la femme, je veux que vous me suiviez. Je disais ceci vrai. Quand Dieu a donné la loi, la femme ne fait pas. Moi, c'est ça qui va. Même quand ils ont péché tous les deux, quand Dieu est venu chercher, Dieu n'a jamais dit où êtes-vous. Dieu a toujours dit Adam. Adam, où es-tu? Vous pensez que c'est gratuit? Tu vas venir moderniser l'évangile. Est-ce que tu penses que tu parles bien anglais? Dieu, quand il cherche, il pose la question à Adam, Adam, où es-tu? Adam aussi répond. J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Et je me suis caché. Il a oublié la femme. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, quand Dieu nous pose la question, est-ce que toi, tu as mangé les fruits? Ce n'est pas pour rien qu'Adam avait dit la femme. Vous allez voir que c'est Ismaël. Il dit non. Tu sais que si ça ne dépendait que de moi, Adam. Moi, Adam, je n'allais pas manger. Le problème, c'est que toi, Dieu, tu as mis à côté de moi. J'aime ça. Donc Ève, c'était la faiblesse d'Adam. Parce que Dieu savait que Adam ne peut pas pécher. Parce que Adam était l'image de l'esprit. C'était l'image de Dieu. Regarde. I like this one. Il est merveilleux. Bien aimé dans le Seigneur. Christ n'aimait pas mourir. Yes, on va vous couper. Et Jésus le savait. Il dit Christ ne peut pas mourir. Mais pour que Christ meure, il faut que je lui fasse un corps. Parce que c'est ça sa faiblesse. Il est écrit dans la Bible. Tu n'as voulu ni sacrifice. Tu m'as fait un corps pour que je monte sur l'autel. Dieu savait qu'Adam ne pouvait pas pécher. Maintenant Dieu dit. Par quel mécanisme Adam va devenir faible? Qu'est-ce qu'il fait? Il crée la femme. Je t'informe de ne pas regarder la femme dans l'église. Ce n'est pas de cela que je parle. Sans quoi les féministes vont m'arrêter. Oh non, lui n'aime pas les femmes. Il a une capacité, il a une capacité de magasin. Regarde, tu sais déjà. Même pour chanter le matin. Regarde. Donc, écoutez bien. Il dit à Dieu, la femme que toi tu as mis à toi, c'est à cause d'elle que je suis tombé. C'est que
maisons, la chaîne de ma chaîne. Donc à Ève, c'est une chaîne. Amen. Mais c'est la chaîne de qui? C'est la chaîne d'Adam. Or en réalité, l'homme n'a pas plusieurs chaînes. L'homme n'a qu'un seul corps. Mais ce qui est à l'intérieur, c'est vrai, c'est ça l'homme. Est-ce que vous suivez ce que j'ai dit? Je vais aller doucement. Pour que tu puisses bien manger, digérer et avoir des vitamines. C'est ça l'imagine l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Regardez. Maintenant, boy, toute la faiblesse d'Adam, c'était elle. C'est pourquoi 1 Pierre chapitre 2 ou chapitre 3, verset 7 dit, considérez la femme comme un sexe faible. Faites attention. Il y a des femmes qui tapent les hommes. Donc si toi tu es en train de croire que quand Jésus la femme sexe faible, cela veut dire que toi tu vas les taper. Ah bien, tu trouveras une qui va te donner un coup de tête. Et tu tombes. Et tu es comme la dame à l'hôpital. Si tu suis le monde. Donc quand tu parles d'une femme comme sexe faible, frère, Dieu ne parle pas nécessairement de la femme physique. Dieu parle de la chair de l'homme. Parce que c'est ça la faiblesse de l'homme. Maintenant, quand on est spirituel, il faut qu'on soit capable de dominer la chair. C'est ça l'essence du verset. Femme, moi si soyez soumise. Ah. Parce que je vous informe. Ah. Naturellement. Il n'y a aucune femme qui est soumise en tout. Amen. S'il y en a ici qui est soumise en tout, lève la main. Je vais me répandre. Et tout ce que le mari dit comme tu n'as jamais dit non, ça je trouve que si tu n'as jamais dit ça, même seulement la main, je dépose ma Bible. C'est pourquoi quand tu rentres dans un mariage, dans un mariage, ne rentre pas avec ces versets. La Bible, enfin, la Bible dit femme, soyez soumis. Pourquoi tu n'es pas soumis? Tu vas regretter le mariage. Tu regretteras. Je ne te mets des choses qui me viennent. Donc, je vais partir des choses naturelles pour expliquer les spirituels. Je vous informe que naturellement la femme est petite. Moi, c'est ça, mon tout ma casse, collé canon sur mon pied. Dieu a créé la femme têtue. Elle fait semblant au début parce que tu l'aimes. Dès qu'elle entre dans la maison, tu verras. Amen. Tu verras. C'est pourquoi beaucoup de gens divorcent. Il suffit de rien dans cette femme-là. Parce qu'ils n'ont pas compris les coutumes. La femme, frère, c'est la chair. Et la chair a toujours tendance à aller vers le péché. C'est ça la détresse de la femme que tu vois. Dieu a identifié ça dans la femme. C'est pourquoi nous aussi, l'église, comme femme, nous tombons tout le temps dans le péché. Mais nous venons vers Dieu et pitié de nous. Aucun membre de cette église ici n'est soumis à Jésus à tout point de vue. Personne. Parce que c'est la chair. Elle a toujours ses faiblesses. Voilà pourquoi la Bible dit, Marie, aimez vos femmes, dominez sur elles. Ici, frère, ce n'est pas que toi, un homme, tu commences à dominer sur la femme. Tu vas dormir par terre. Lève-toi. Va au marché. Non! Dieu voulait dire, l'homme, il est l'image de l'esprit. Donc cet homme-là, l'image de l'esprit, doit avoir la capacité de maîtriser sa chair. Quand tu ne maîtrises pas encore ta chair, je t'informe que tu peux danser, chanter. Parce que je sais que tu es courageux. Sur le ciel, quand les anges parlent, ça c'était courage. Un seul amen.
Si tu n'as pas la domination sur ta chair, tu n'hériteras pas le royaume. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné. Le Saint-Esprit, nous a d'abord été donné pour ça. Pour que nous ayons la capacité de diriger notre vie. La capacité de maîtriser la chair. Parce que c'est ça l'homme. Voilà pourquoi tu ne peux pas hériter le royaume. Si Ismaël est avec toi, si la chair te colle encore à la peau, si la chair, c'est ce qui fait ta passion, si c'est la chair qui te préoccupe à tout point de vue, toi-même quand on t'insulte, tu dis, elle va me sentir. Tout ça, c'est la chair. Les jours où je les croiserai, il y a des gens qui, il y a des gens qui font le péché à crédit. Le péché a crédit. Donc il est assis. Il dit, les jours se feront sortir sur mon chemin. Il sentira. Donc il est en train de t'étendre le piège. Je le dis au nom de Jésus. Que celui qui t'a tendu le piège, qu'il tombe lui-même dans ses problèmes. Celui qui a élevé un poteau comme Aman pour que Mardoché soit crucifié. Qu'il soit même crucifié sur le poteau. Que le Dieu du ciel te garde. Que le Dieu de paix te protège. Que la main de Dieu soit avec lui. Il vous garde dans toutes choses. Nous vous mettons debout et nous acclamons le Seigneur. Priera le Seigneur qui te donne la capacité de vivre la parole. Parce que la Bible dit que toute capacité vient de Dieu. C'est Dieu qui nous donne la capacité. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus? Avec toi. Là où tu es tombé, que Dieu te relève.
là où tu avais des difficultés, que Dieu te fasse avancer. Prie l'Éternel Dieu du ciel, n'aie pas honte. Lève tes mains et prie le Seigneur pour te soutenir. Prions dans les noms du Seigneur.